Et salut à tous, c'est Angel038, comment allez-vous? J'espère que ça va, hein. En tout cas moi ça va bien. J'ai la patate, je suis content de vous retrouver sur un nouvel épisode sur F1 2014. Et on se retrouve sur le circuit de Bahreïn, hein, pour un Grand Prix de nuit. Troisième Grand Prix de ma nouvelle saison sur F1 2014, hein, la longue saison cette fois-ci, dans la Scuderia Ferrari. Et donc avant de commencer, hein, donc, la séance d'essai libre qui s'est plutôt bien passée, je vais vous montrer les réglages que j'ai affectés à la voiture. Donc pour l'aileron avant, répartition de freinage, la balance de la barre anti-roulis avant et arrière, les suspensions, l'alignement, et voilà. Donc ce sont des réglages que je n'ai pas pris sur le RaceDepartment, hein, mais sur un autre site. Je vais vous donner le nom du site, hein, et si j'y pense, j'essaierai de mettre le lien du site sur la description de la vidéo. Mais c'est pas très compliqué, il s'appelle f1carsetup.com. Donc f1carsetup.com, dessus vous retrouvez les réglages pour tous les circuits, pour tous les types de temps et pour l'ensemble des voitures du plateau. Donc c'est, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Et il n'y a pas que des réglages comme sur le RaceDepartment pour le trim trial qui est souvent aberrant et qui est parfois, comme on avait fait remarquer avec Cédric, hein, qui est parfois assez hallucinant, tant dans le réglage du régime moteur que sur certains réglages de la voiture. Enfin bon, voilà. Donc revenons à notre saison. Donc on va se lancer pour Q1. Alors je retiens à repréciser une fois de plus, hein, que je joue bien en expert. J'ai encore une remarque, hein, comme quoi Tigouda qui joue également en expert, lui sur sa saison, d'avoir des écarts de temps qui sont complètement hallucinants. Alors il est fort possible, et je l'ai vérifié sur le site du RaceDepartment, que ma version du mode pour que l'IA soit plus compétitive et un peu plus hargneuse, il est possible que ma version du mode soit pas la même que celle de Tigouda, et il est très possible que la différence vienne de là. Le seul problème, c'est que j'ai pas vraiment envie de changer mon mode maintenant, même si ça m'avantage, j'en suis conscient, pas pour le fait d'avoir plus de challenge ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment peur que ça me fasse sauter la sauvegarde et qu'on soit obligé de recommencer. Et là je vous avouerai franchement que si ça devait arriver, je recommencerai pas. Donc on va rester comme ça. Je sais que pour certains d'entre vous, eh ben, c'est pas ce dont vous attendez, peut-être, hein, vous êtes peut-être un peu déçu, je sais pas. Enfin moi en tout cas ça me fait plaisir de faire ces vidéos toujours autant. J'ai eu un petit passage à vide là ces derniers temps, j'avais pas le goût, j'avais pas forcément envie de faire de la vidéo, et c'est vrai que bah, je sortais pas le volant pour faire bah, les dernières vidéos sur F1 2013 ou F1 2014, j'avais moins la motivation, j'avais presque envie d'arrêter en fait, de faire des vidéos, j'avais envie le peu de temps que j'ai pour me détendre et faire du jeu sur mon PC, j'avais envie de le garder pour moi. Et puis, je me suis rappelé que vous étiez quand même presque 1800 abonnés, et que vous suivez, pour la grande majeure partie d'entre vous, les vidéos toutes les semaines. Et que eh bien, ça me faisait aussi quand même bien plaisir que vous soyez toujours aussi nombreux, et plus en plus nombreux sur la chaîne, que vous suiviez nos vidéos et que ça vous plaise, et qu'on ne fasse pas tout ce travail entre guillemets pour rien. En tout cas nous on prend du plaisir à vous faire partager notre passion pour le jeu vidéo et pour la simulation automobile, mais aussi bah, de vivre ces moments avec vous, de partager, d'échanger au fil des commentaires, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, hein, dans cette vidéo. Je suis désolé, hein, ça fait un petit peu des grands discours, mais j'avais envie de vous en faire part. Et donc ben, il reste 13 minutes dans la séance, et on va s'élancer sur la piste pour aller marquer un chrono. Donc j'ai ressorti le volant, hein, pour l'occasion. Alors je vous avouerai, comme ça fait un petit moment que j'ai pas tourné avec, les premiers tours de roue ont été laborieux. Retrouver l'habitude de changer les rapports au bon moment, ça a été assez laborieux, mais finalement on retrouve tout de suite de bonnes sensations, et ça fait plaisir. Donc circuit de Bahreïn qui est maintenant ce cours de nuit, donc donc là, la ligne de départ arrivée avec un gros freinage en bout de ligne droite vers un enchaînement de virages, une sorte de S, puis une courbe à droite qui se prend à fond. Et on va arriver sur un autre freinage, puis une partie très technique avec des enchaînements de virages. Ici, il faut que la voiture elle ait suffisamment d'appui pour ne pas aller à l'extérieur de la piste et perdre du temps. Là aussi, un gros freinage pour une épingle. Et là, on va arriver après une courbe à gauche sur un freinage à gauche qui se ferme pour une autre épingle qui dessert la deuxième zone de DRS. Un freinage délicat ici où beaucoup de pilotes ont tendance à bloquer les roues et à partir tout droit. Espérons que pour ma part ça ne nous arrive pas, autant pour les qualifs que pour les essais, que pour la course pardon. Donc ici on a un petit freinage pour une courbe à gauche tout en montée, puis une courbe à droite qui se prend à fond et un freinage pour un virage un peu plus serré à droite, une petite ligne droite. Et on arrivera sur le dernier freinage pour une épingle qui dessert la ligne de départ arrivée et l'entrée des stands. Et on en aura fini avec ce tour. Et c'est le 6e temps pour le moment. Donc ça laisse présager quand même une certaine marge. Alors évidemment, hein, on est mercredi aujourd'hui, hein, pour regarder cette vidéo. Là, au moment où je tourne cette vidéo, bon, quelques jours, je suis un petit peu loin du mercredi. Quasiment une semaine entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où vous la regardez. Et donc effectivement, oui, je sais ce que vous vous dites, pas de coop cette semaine. Eh bien, non, pas de coop cette semaine, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de coop. Alors pourquoi pas de coop? Parce que, ben, comme vous l'a dit Cédric mercredi dernier, eh bien le week-end d'avant on était ensemble hein, dans son pays où d'ailleurs il faisait bien beau et chaud et ça a fait plaisir hein, ça a remotivé un petit peu les troupes hein, de se revoir depuis avant Noël qu'on s'était pas revus et donc bah, comme quand on se voit on n'a pas forcément le matériel non plus pour tourner des vidéos et du coup bah, la coop il n'était pas question qu'on tourne de vidéos d'ailleurs pendant le week-end où on était ensemble. C'était repos. Alors qu'ici je commets des petites erreurs, hein, mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est difficile de commenter et de conduire en même temps. Et donc, eh bien, la semaine dernière où vous avez eu les vidéos donc, de Forza Horizon, de Forza 5 et de Retro Gaming, on devait tourner la coop avec Cédric, mais avec son nouveau travail, il est très très pris et beaucoup d'imprévus. Donc ce qui fait que on n'a pas pu tourner l'épisode coop pour cette semaine. Et donc, eh bien, on a décidé, enfin j'ai décidé de vous proposer du F1 2014 à la place. Normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, vous retrouverez la suite de notre saison coop, où je me fais littéralement pulvériser par Cédric, puisqu'il a quand même une approche nettement plus technique que la mienne au niveau de la conduite. C'est vrai que pour le coup on se rend compte que moi le niveau arcade de F1 2014 me convient parfaitement. Et autre nouvelle aussi, hein, si vous avez suivi sur ma page Facebook, hein, d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné à la page Facebook, je vous invite vivement à aller vous y inscrire. Le lien est dans la description de la vidéo ou sur la page d'accueil de la chaîne. Il y a vraiment plein d'actu qui se passe sur cette page et en l'occurrence, comme certains ont pu le voir, j'ai précommandé Project Cars. Ça y est, par l'intermédiaire de notre partenaire Instant Gaming. Donc eh bien le jeu m'est revenu à environ 26 €, 27 €. Donc très honnêtement, je pense que c'est une affaire. Il est à un prix très intéressant pour les passionnés de conduite automobile. Je vous invite vivement à le précommander ou le commander quand il sortira sur le site Instant Gaming, puisque les prix sont quand même très attractifs. Et ça vous permet d'avoir le jeu original de jouer sur Steam sans pour autant payer le prix fort. Parce que de nos jours, hein, les temps sont durs comme on dit, et pouvoir quand même se faire plaisir, s'acheter un jeu de temps en temps à moindre coût, c'est quand même pas négligeable. Voilà, je fais passer un petit peu en accéléré la séance de qualification. Donc on voit que pour l'instant, bah, ma place en Q2 est relativement assurée, puisque je vais finir à visiblement la 11e place. Voilà, je finis à la 11e place, mon coéquipier 9e. Les Ferrari en demi-teinte sur cette séance de qualification, mais bon, on va pas s'affoler non plus, puisque de toute façon, il reste 2 séances de qualification encore, hein, la place sur la grille n'est pas encore définie. Et parmi les éliminés, on retrouve donc Jules Bianchi, hein, qui est quand même surpassé tous les pilotes de fond de grille, hein, y compris Pastor Maldonado qui est 18e, Esteban Gutierrez de 9e, et Max Chilton, Kamui Kobayashi et Marcus Ericsson qui ferment la marche. Donc pour l'instant, on retrouve un petit peu les pilotes habituels de fond de grille, et on va passer à Q2. Donc au niveau météo aussi, météo 100% sèche pour tout le week-end, autant pour les essais, les qualifs et la course. Donc ce sont des réglages, hein, pour le sec que j'avais opté. Et pour l'instant ça porte ses fruits, parce que la voiture est à l'aise. Et si la voiture est à l'aise, moi aussi. Et c'est parti. Alors je prends toujours des risques, hein, en faisant un flying lap pour arriver sur la piste, puisque si vous vous rappelez, hein, lors du premier Grand Prix de la saison en Australie, on s'est retrouvé dans l'aileron arrière de la Toro Rosso de Kiat, et impossible de revenir en arrière suffisamment pour pouvoir utiliser un replay. Alors attention, on est parti sur la piste avec les pneus tendres, les pneus à flanc jaunes. On va essayer de faire le temps qui nous permettra d'accéder à Q3. C'est un petit peu loupé dans ce virage là, hein, parce que les pneus ne sont pas encore tout à fait en température, même s'ils chauffent assez vite, hein, les pneus tendres. À l'aspiration derrière le russe et sa Toro Rosso. Kiat qui lors des essais libres a déjà montré de quoi il était capable. Il a déjà cassé un aileron de la Red Bull, et la Red Bull qui a été très rapidement handicapée puisqu'elle a été obligée de faire quelques tours sans aileron avant. Visiblement, de ce que j'ai pu lire sur ESPN F1, la Red Bull qui a l'air d'être encore handicapée par des problèmes de puissance moteur, et ça, je suis pas sûr que ça puisse se résoudre du jour au lendemain avec les nouvelles réglementations moteur. Et donc je viens de couper la ligne de départ arrivée avec un 1.38.381, et c'est le meilleur temps pour l'instant. Donc on va tranquillement rentrer au stand et attendre de voir comment ça se décante. Ah oui, je voulais vous poser une question aussi, j'en profite pendant ce tour de rentrée au stand. Par rapport à F1 2014, je vais pas installer le mode de la saison 2015 avec les noms des pilotes, les écuries, tout ça, mais j'avais envie d'installer les livrets des voitures 2015, même si ça n'a pas forcément de sens quelque part. Mais vu que sur le RaceDepartment on commence à avoir de plus en plus de livrets disponibles de la saison 2015 en rapport avec les livrets qui ont été dévoilés de toutes les écuries, il y a également la livrée de la Red Bull camouflée, hein, qui d'ailleurs je trouve très originale. Cette Red Bull, elle devrait même presque rester comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je sais pas, d'ici mercredi, là au moment où vous regardez la vidéo, Red Bull a livré, enfin a donné officiellement l'image de la nouvelle livrée de la RB11. Mais là au moment où je tourne cette vidéo, elle est encore en version camouflage et Christian Horner a annoncé que la Red Bull aurait une livrée vraiment spectaculaire. On demande à voir, bien sûr. On demande à voir. Mais bon, voilà, tout ça pour dire, hein, je reviens au début du sujet, c'est est-ce que ça vous dirait que j'installe les livrets des voitures de 2015 sans pour autant avoir les pilotes dans les bonnes cases? Je vous laisse me faire part de votre avis sur les commentaires. Et autre petite chose aussi, quel jeu vous aimeriez voir sur la chaîne? À savoir que j'avais dans l'idée, parce que je me suis remis récemment à Minecraft, et j'avais dans l'idée de faire peut-être une aventure suivie ou pas, je sais pas, sur des maps aventures de Minecraft que l'on peut trouver assez facilement sur des sites spécialisés. Et donc j'avais dans l'idée de faire ça en solo ou avec un abonné ou... Donc à voir, je ne sais pas. J'avais aussi dans l'idée peut-être de refaire du SimCity. Donc je ne sais pas, j'attends vos commentaires aussi, vos réactions là-dessus, puis vos propositions, sachant qu'on a quand même Project Cars qui arrive bientôt. Il reste la saison coop avec Cédric à finir, et toujours cette saison sur F1 2014 à terminer. Donc voilà, je vous laisse libre cours dans les commentaires et me faire part un petit peu de ce qui vous ferait plaisir de voir sur la chaîne et qui pourrait redynamiser un petit peu la chaîne. Parce que c'est vrai qu'en ce moment... j'ai envie de dire, c'est assez compliqué de voir le nombre d'abonnés qui stagne un petit peu. C'est ça qui m'a un petit peu mis un petit coup au moral. Enfin bon, voilà. Revenons à notre séance de qualification. Et donc j'ai réussi à obtenir le meilleur temps. Alors c'est assez surprenant, mais j'ai quand même réussi à avoir le meilleur temps dans cette séance. Et mon coéquipier, le quatrième temps, les deux Mercedes ont réussi à s'intercaler entre nous. On retrouve parmi les exclus de Q3 et ben Kevin Magnussen, Sergio Perez, Daniil Kvyat, Jean-Eric Vergne, Romain Grosjean et Adrien Sutil. Les Sauber qui sont pas en forme du tout, hein, puisque Romain Grosjean aura réussi à être devant les deux Sauber et même à en sortir une de Q1. Et on est parti pour Q3. Donc Q3, on va laisser passer un petit peu de temps. Les pilotes vont effectuer leur tour. Donc là on a vraiment des temps. Il va falloir aller chercher la minute 38. Comme je l'ai fait en Q2. Et on est parti sur notre tour lancé. Ça va, j'ai du champ devant, hein. Tous les autres pilotes sont dans la partie un peu plus sinueuse. Donc en plus très bien les pneus de Q2 pour lesquels j'aurais mis que 2 tours dans la vue. En comptant le tour de rentrée au stand, bien sûr. Premier secteur en violet. Petite dérobade de la voiture, hein, au freinage. La voiture qui s'est un petit peu déséquilibrée en montant sur le vibreur au freinage. Erreur de ma part évidemment. Cette Ferrari qui est quand même relativement difficile à conduire. Deuxième secteur en violet aussi. Et on va se lancer vers la ligne de départ arrivée. Pour décrocher un 1.38.367. C'est le troisième temps. Je suis parti un petit peu au large ici. Je me suis complètement loupé au freinage. Pour l'instant, premier secteur qui est pas forcément violet. J'ai fait moins bien que sur mon tour précédent. Ça s'est senti de toute façon. Alors que tous les pilotes IA sont rentrés au stand. Dernière accélération pour accéder à la ligne de départ arrivée. Et c'est moins bien de 4 dixièmes. Les pilotes IA qui vont aller rejoindre la piste pour effectuer une dernière tentative d'amélioration de chrono. La Ferrari qui use assez rapidement ses pneus. Premier secteur où je suis quand même en avance sur Rosberg, mais où j'ai fait moins bien que sur ma première tentative. De toute façon je vais rentrer au stand parce que les pneus commencent à s'user et la voiture devient assez capricieuse. Je vais avoir des problèmes en piste hein, pour maintenir ces pneus tendres. Je pense qu'il ne faudra pas que je fasse durer de trop ces pneus et je reste avec les pneus durs. Il ne reste plus qu'une minute dans la séance pour ainsi dire terminée. Et je pense qu'il va falloir s'attendre à se voir partir à la troisième ou à la quatrième place sur la grille. Alors que Fernando est en train de déclencher son chrono hein, pour essayer d'améliorer. Donc les mécanos rentrent la voiture dans le box. Et on va les zioter un petit peu les chronos. Là, je suis à 3 dixièmes de mon coéquipier, hein, c'est encore à me... Enfin, ça peut s'améliorer. Voyons voir le tour qu'il aura fait à l'issue de cette séance. Bon bah ça n'aura pas été amélioré. Et donc je partirai à la troisième place, derrière les deux Mercedes, aux côtés de mon coéquipier. Et donc on aura fait une série de doublés, regardez sur un petit peu la tronche de la grille de départ hein, pour les 10 premières places. Les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Red Bull, les deux Williams. Et après on trouve Jenson Button et Nico Hülkenberg qui jouent les troubles faites sur les 10 premières places de la grille de départ. Voilà pour cette séance de qualification. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt, enfin à très bientôt, à dimanche pour la course. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Salut à tous.